Bon, review du dernier chapitre de One Piece et un chapitre vraiment poignant, un chapitre bouleversant, puissant, un chapitre qui m'a vraiment étonné dans le scénario, dans la façon où il est écrit, de ce qu'il montre, la différence de puissance entre Kaido et Luffy. Parce que habituellement, quand tu vois un Luffy comme ça, qui est fou de rage, qui apprend la mort de Otama par exemple, ce genre de Luffy. Lorsqu'il fonce tête baissée et qu'il est énervé comme jamais, il est très souvent dans plusieurs arcs inarrêtable. C'est un Luffy, souvent il pète les plombs comme ça en fin de combat. Il se rappelle d'une promesse, d'un moment touchant, de ce qu'il doit faire, d'un peuple qu'il doit délivrer comme à Dressrosa, etc. Et ainsi, il va battre son adversaire. Par exemple, la promesse qu'il a fait face à. J'ai oublié son nom, le méchant Lucci. Face à Lucci, Luffy qui tombe, qui voilà, j'ai pas peur, je ne plus jamais tomber. Il se souvient des paroles de Usopp, des paroles de Robin, etc. Et là, il lance une nouvelle technique, il gueule et tout jusqu'au bout de ses réserves et il bat Lucci comme ça. Voilà. C'est ouf là de voir un Luffy qui apprend la mort de Otama, qui saute. Il fait Elephant Togun en Gatling, il passe en Gear Force, il fait toutes ses plus puissantes techniques. Kaido, il repasse en mode normal, donc tu te dis ok. Forcément, Kaido, c'est un mec qui est en train d'encaisser des coups, il les encaisse. Mais quand il va donner un coup à Luffy, ça va faire tellement mal. Il prend une batte qui sort de nulle part déjà. Faut que je regarde, peut-être que c'est son bracelet qui s'est transformé, ou j'ai pas trop regardé d'où ça venait aussi. Il met un coup de batte à Luffy. Luffy était en Gear Force, il était un peu à plein potentiel, il n'avait pas pris de grosses blessures avant, il s'était reposé, etc. Luffy n'a pas pris de blessures. Les deux souffles ardents, il les avait esquivés. Parce que dans ce scan, il y a aussi un souffle ardent, mais que Luffy saute par-dessus, il lui met une Gatling dans la gueule, et Luffy ne prend aucun coup. Luffy, il faut capter ça, il prend aucun coup avec Kaido, et quand il en prend un, c'est one shot. Il passe du Gear Force au mec déchiqueté à terre. Et Luffy, il fait, bah moi, je serai le roi des pirates. Et Kaido qui fait, tu vas être le roi de qui, toi, gamin? Et là, Luffy qui est déchiqueté à terre. Incroyable. Luffy qui se fait one shot dans mes souvenirs. Ce n'était pas encore arrivé. Ce n'était pas encore arrivé. D'après ce que je me souviens, hein, je crois qu'il. Luffy a déjà perdu des combats rapidement. Face à des méchants, il revenait, il rebattait. Crocodile, par exemple. Crocodile, il avait subi une sorte de défaite, etc. Mais là, vraiment, Luffy a pris tarif. Luffy s'est fait one shot. Un héros qui se fait one shot, c'est toujours ultra bouleversant. Comme par exemple Mélodas qui prend toutes les épées des commandements dans ses cœurs. Et voilà, oui, c'est vraiment choquant. Mais là, Luffy, à travers bientôt ses 1000 chapitres, quand on y arrive bah, dans quelques mois aussi, quelques années, c'est choquant. C'est choquant de voir un Luffy se faire complètement one shot par Kaido. Et on se dit, ok, donc Kaido est un monstre. Luffy disait, ouais, mais Law, avec toi, ton équipage, Kinemon, Momo et mon équipage, on peut battre Kaido. Mais si Luffy se one shot, Law n'y va pas, Chopper n'y va pas, etc. Enfin, je veux dire, qui peut battre Kaido? Qui peut battre Kaido? Pour moi, je vous l'ai dit dans le précédent chapitre, Barbe Noire. Il lui faut un Zoan. Ça, on sait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et années. Il a le pouvoir de s'approprier des fruits du démon. Il a le fruit de Barbe Blanche, il a le sien, mais pour moi, voilà, sur les trois catégories de fruits du démon qui existent, Barbe Noire, il lui faut dans tous les cas un Zoan. Le Zoan le plus puissant actuellement pour moi, c'est le fruit de Kaido. Pour l'instant, j'ai pas vu un truc aussi monstrueux que Kaido. Est-ce que Law et Luffy vont se battre avec des nouveaux modes, des nouvelles techniques avec Zoro, Sanji, etc. Vraiment des mecs archi déchiquetés et quand ils viendront un peu à bout de Kaido, Barbe Noire va arriver, porter le coup final et prendre son fruit du démon. Est-ce que c'est. Parce que même si Luffy a causé des gros problèmes à Barbe Noire, à Kaido, excusez-moi, que Kaido pose des problèmes actuellement à ce peuple, etc. Encore une fois, c'est répétitif. C'est le côté Dressrosa, c'est le schéma actuel de voilà. Arrive dans un pays, dans une région où le peuple est bouleversé par un grand méchant, il faut démonter le méchant, mais voilà, c'est toujours Luffy qui le fait, Luffy vu comme le héros, sa prime augmente, nouvelle île, et c'est le même schéma. Là, ce serait quand même putain d'intéressant que Luffy ne batte pas Kaido, mais que Barbe Noire le batte.
que Barbe Noire arrive, qu'il porte un coup à Kaidu, qu'il l'absorbe dans ses ténèbres, un truc comme ça, qu'il l'affaiblisse grandement et qu'il prenne le Zoan de Kaidu. Pour moi, de toute façon, c'est inévitable. Il faut un Zoan actuellement à Barbe Noire. Bien sûr, s'il ne possède pas le Cerbère, c'est une théorie qui est très connue. Mais pour moi, Barbe Noire, là, il lui faut un Zoan pour être le vrai big boss de ouf de ce manga. Et pour l'instant, c'est-à-dire que si Kaidu venait à mourir aujourd'hui, son fruit du démon réapparaît quelque part dans le monde. Et voilà, je vois pas Barbe Noire en fait aller faire « Oh bah tiens, voilà, le fruit du démon du dragon, je le mange et voilà. » Moi, je vois plus Barbe Noire arriver à la fin de l'arc Wano Kuni, prendre ce fruit du démon, comme il est fait que Barbe Blanche avec un espèce de grand voile noir, se mettre en dessous, avec ses ténèbres, parce que pour moi, voilà, c'est ce qu'avait dit aussi Mon Corvo, il faut, je pense, un peu de ténèbres et d'ombre pour vraiment absorber le fruit du démon de quelqu'un. Donc je pense que ça va se passer comme ça, à la fin de Wano Kuni, moi je pense vraiment que Barbe Noire va apparaître, et qu'il va choper le fruit du démon de Kaidu. Mais là, pour l'instant, c'est aussi l'une des rares fois où One Piece me surprend vraiment, parce que de là, ce que Luffy se fasse one shot, c'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant, je dirais même bouleversant, je m'y attendais juste pas du tout. Voilà, on se pose beaucoup de questions, on se remet aussi en question, parce que bah, c'est pas une chose à laquelle on s'attendait. On pensait avoir un combat, oui, on ne voyait pas Luffy gagner, c'est sûr. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, dans le précédent chapitre, la précédente critique, Kaido de 1, il est ivre, donc il n'est pas à 100% de ses capacités, de ses sens. Mais de là, one shot Luffy, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, et là je me dis que bah, l'eau, ça sert à rien qu'il y aille, parce que ça va être le même résultat. Et je me demande bah, juste comment battre Kaido. Pour moi, vraiment battre Kaido et faire tomber Kaido, il faut que ce soit Barbe Noire qui arrive, et que Barbe Noire s'occupe du truc, que Barbe Noire le finisse et prenne son Zoan. Je ne vois que ça. Je ne vois que ça. En tout cas, vos avis en commentaire. Vos avis en commentaire, les punchlines étaient bonnes, le combat était bon, les réactions, les dégâts et tout étaient hyper bons. Chiroda a carrément géré son œuvre sur le coup de toute façon. Donc sur ce, je vous aime fort, je vous dis à très bientôt et rendez-vous jeudi prochain pour le prochain chapitre, le 924 de One Piece. Et bye tout le monde!